risque de voir une belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. Le plan de jeu est clair pour se mettre du combat au sol, amener son adversaire à terre et le contrôler. Il sait passer les défenses de ses adversaires au sol comme personne et va chercher une nouvelle fois à faire parler son grappling. Si vous aimez les coups de pied puissants et les combats de kickboxing, alors surveillez bien ce combattant, car vous allez en avoir pour votre argent. Sa spécialité, en finir vite et par KO. A-t-on déjà vu ce combattant sur le dos? Il défend les takedowns comme personne grâce à un sens de l'équilibre hors du commun, ce qui a tendance à frustrer et à fatiguer ses adversaires. Et voici les données de ce combat poids lourd. Ces deux combattants ont donc 3 ans d'écart et ils ont une allonge et une taille sensiblement différentes. Et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'Octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. And now, this is the moment you've all been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing folks, fighting out of the blue corner. This man is a Taekwondo fighter holding a professional record of 24 wins, 10 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Milwaukee, Wisconsin, ladies and gentlemen, presenting the former UFC lightweight champion, Anthony Showtime! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 6'1" tall, weighing in at 165 pounds. Fighting out of Paris, France, lights out. You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, just make it official. On se touche les gants et on attend le signal de l'arbitre pour commencer le combat. Deux combattants qui excellent en striking. Il y a vraiment peu de chance que le combat ait au sol. Il envoie un bon coup de pied. Anthony Pettis et le Noblard. Une belle rencontre. Les coups s'enchaînent parfaitement. High kick, quelle puissance. Énorme kick à la tête. Le combat continue et il tombe une fois de plus. Trop direct. Oh, un gros crochet. Pas loin. Touché par le droit. Quel combat incroyable! Gros direct. C'est manqué. Il encaisse ce coup de pied. Il encaisse un coup de pied encore. Bonne droite de Pettis. Il bloque parfaitement ce coup de poing. La frappe passe bien. Un low kick
kick qui passe par Pettis. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Oh, droit au corps. Quel coup de pied. Coup de pied à la tête. Il est sonné. Rien ne l'arrête. Les coupleurs. Il le touche. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Touché par le droit. Ce coup de pied est esquivé. Ça touche aussi. Et c'est terminé. Waouh. Une frappe puissante qui a envoyé son adversaire au tapis et lui octroie la victoire. Superbe KO, le mouvement est amorcé, l'adversaire ne défend pas correctement et bam, c'est la punition assurée. Superbe exécution. Allez, Bruce Buffer va nous annoncer la décision officielle. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean called a stop to this contest at 2 minutes 54 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout.